Bonjour à tous, ici Dingo Dorwan. Aujourd'hui, on va tester la dernière caméra de chez TP-Link, la Tapo C320WS. Une caméra filaire avec lentille de 4 mégapixels pour filmer en 1440p. Dans ma vidéo, on va faire un petit déballage. Je vais vous montrer comment connecter la caméra. On va regarder en détail l'application Tapo, voir si elle fonctionne correctement avec les assistants vocaux Google et Alexa. On va tester le micro et le haut-parleur de la caméra. Et pour finir, ma conclusion, et je vous donnerai mon avis. Commençons par le déballage. On a deux guides de démarrage rapide, un plus complet mais qui n'est qu'en anglais, et un autre en plusieurs langues. Il est en plusieurs langues, mais il dit juste de télécharger l'application, de brancher la caméra et d'installer et de l'installer. C'est vraiment un petit manuel sommaire. On n'a pas de manuel complet. Ensuite, on retrouve un autocollant qui va servir de tuteur pour visser la caméra à son mur. On a un joint et un kit d'étanchéité si on veut brancher la caméra en filaire via le port Ethernet. L'adaptateur secteur qui est de 9 volts 0,6 ampères et le câble qui fait 3 mètres de long. On a 3 vis et 3 chevilles. Et enfin, on a bien sûr la caméra. On remarque directement son look légèrement futuriste grâce à ses antennes à la Star Wars. En dessous de la caméra, on a le micro et la grille du haut-parleur. On a l'emplacement de la carte micro SD. Donc c'est minimum 8 gigas et maximum 250. 56 Go. On va devoir dévisser le cache pour avoir accès à la carte micro SD et au bouton de réinitialisation. Thank you.
Regardons maintenant un peu de plus près l'application de chez TP-Link qu'ils ont appelée Tapo, disponible sur le Play Store et l'Apple Store. On voit directement, ben moi j'ai qu'un seul appareil de chez TP-Link, sinon cette application est faite aussi pour tous les appareils domotiques de chez TP-Link, les ampoules, ils ont des capteurs aussi apparemment. Je n'ai pas trop regardé ce qu'ils faisaient aussi au niveau domotique, mais apparemment ils ont plusieurs choses et l'application Tapo ici donc centralise tous leurs appareils et on peut voir un peu, on peut créer des scènes et tout ça, bah, comme l'application de chez Tuya ou Switchbot ou autre. Moi, on va regarder ici. Là, on a les coordonnées, donc on voit ici mon adresse email. On peut avoir accès à la mémoire de la caméra, donc là où j'ai fait des sauvegardes de vidéos qui sont stockées sur mon téléphone. Dans service tiers, donc là c'est important puisque si vous voulez connecter la caméra à vos assistants vocaux, Amazon Alexa ou Google, vous êtes obligatoirement obligé de passer par l'application. Alexa, diffuse caméra Dingo Jardin. D'accord. Parfait, ça fonctionne parfaitement. Maintenant, on va vérifier quand même la latence. Ok, parfait, pas de latence. Alexa, arrête la diffusion. Ok, Google, montre caméra Dingo Jardin sur la télé du salon. Ok, je lance le streaming depuis Dingo Jardin sur télé du salon. Vérifions maintenant la latence. Passer par l'application, donc ça se trouve dans moi et service tiers. Et là, vous pouvez partager l'appareil avec votre famille, etc. Les mises à jour du firmware, ça se trouve ici. On a les notifications. Je clique ici. Donc message pour les notifications au niveau de l'application. Moi, j'ai désactivé les messages promotionnels. Les mises à jour du firmware, hein, comme ça me notifie. État de la carte micro SD, état de l'appareil, Tapo. Voilà la caméra, moi j'ai qu'une caméra. Voilà. Donc pour recevoir les notifications, c'est ici aussi, c'est en plus des notifications de sécurité, ce qu'on va voir après. On a le système TapoCare. Le système TapoCare, c'est le cloud de TP-Link. Il donne 30 jours gratuits, mais 30 jours gratuits une seule fois. Hein. Une fois que vous avez accepté, vous avez une seule fois 30 jours, après il faudra payer. Là, on voit pour un seul appareil, on est à 3,69€, pour deux appareils, 7,49€.
10,99, 10,99 et 11,99 pour 10 appareils par mois. Le cloud, il ne permet pas que de sauvegarder ses vidéos. TP-Link, bon, ils ont décidé aussi de rajouter quelques fonctionnalités intelligentes pour les caméras ou pour les autres appareils. Par exemple, pour l'offre ici à 3,69, l'offre basique, c'est pareil pour si vous prenez celle avec 10 caméras, hein, l'offre est exactement identique. Mais par exemple, vous avez accès pour l'offre basique, je sais pas si on peut le voir ici, non, voire plus peut-être. Ici, ils ne le disent pas, mais bon, moi j'ai les détails. Ils nous disent qu'on a un historique des clips vidéo sur 30 jours, des notifications enrichies avec photos, donc on reçoit des notifications avec photos, une détection de pleurs de bébé, si vous voulez vous en servir de la caméra comme de babyphone, et on a le suivi de mouvement aussi. Bon, le suivi de mouvement, la détection de pleurs pour une caméra de sécurité extérieure, c'est pas très utile. On a une zone de confidentialité qui sera plus intelligente, qui sera plus fonctionnelle que la zone de confidentialité. Je vais vous montrer à quoi ça sert ça par la suite. On a une détection aussi de personnes qui sera plus intelligente, qui va éviter beaucoup de fausses alertes, etc. Et ça, c'est dans le cloud au niveau qu'ils ont appelé basique, mais bon, c'est la même chose que le premium, sauf que le premium, vous pouvez avoir 10 caméras connectées et accéder aux enregistrements de 10 caméras. Ici, pour le basique, c'est une seule caméra. Si vous voulez activer vibration, tout ça, ça c'est des petites choses pour votre téléphone, mais sinon, on va aller dans l'accueil. Je vais pas encore entrer dans la caméra, je vais juste vous montrer ici l'enveloppe. Donc là, on a accès aux notifications que la caméra nous envoie. Bon, bien sûr, je peux les supprimer si je veux supprimer une ou l'autre notification. Mais ici, ils nous disent les notifications selon le type. On a mouvement détecté ici, altération de la caméra détectée. On va voir à quoi ça correspond, je vais vous expliquer ça après. Donc ça, c'est personne détectée. Voilà, personne détectée. Voilà, ça c'est au niveau des notifications. On rentre dans la caméra. Voilà, on voit directement l'image en direct, ce qu'on filme. Si je veux, donc on a un parlophone, là il nous donne accès aux deux parlophones différents selon le type de connexion qu'on veut. Soit au niveau, on fait comme un appel téléphonique. Voilà, donc là j'appuie, je parle, je dois pas appuyer. Là c'est plutôt le système de talkie-walkie. Pour que l'interlocuteur m'entende à distance, je dois rester appuyé. Voilà, je peux parler et là, la caméra va diffuser. Et j'ai pas eu d'écho, j'ai pas eu de ce genre. Je vais vous faire écouter le haut-parleur, vous allez voir qu'il y a quand même des petites faiblesses. Hein. Le haut-parleur est quand même très faible. Maintenant le micro de la caméra. La caméra est à peu près à 2 mètres de hauteur. On va voir si le son est bien enregistré ou s'il y a des coupures ou pas. L'enregistrement se fait via un réseau cellulaire 4G. Donc, l'interlocuteur devrait avoir le réseau 4G de plus ou moins bonne qualité. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Le micro devrait bien capter ma voix. Ça, on verra. Il n'y a pas trop de vent non plus. Ça joue, il n'y a pas trop de bruit extérieur, donc on va dire pratiquement rien. On va voir si le micro capte bien ma voix.
On a mode de confidentialité, donc ça c'est pour désactiver la caméra. Donc la caméra est désactivée et là elle n'enregistre plus, elle filme plus, elle fait plus rien, elle est désactivée. Donc ça c'est si vous la mettez, si vous rentrez chez vous, vous voulez pas être filmé ou autre, ben vous pouvez facilement la désactiver et elle se réactive assez aussi très très rapidement. Là la caméra est placée à plus de 10 mètres. Je l'ai placée à plusieurs endroits. Et ici, c'est bien un endroit où c'est très très difficile pour les caméras de surveillance, puisqu'il y a un arbre déjà devant, il y a ma haie sur le côté, et c'est très difficile. Il y a aussi beaucoup d'insectes, et parfois il y a des oiseaux, etc. Mais là, c'est un endroit vraiment très très difficile pour les caméras. J'ai eu quand même beaucoup de fausses alertes, et il faut quand même bien apprendre à s'en servir pour pas recevoir des notifications inutiles pour faire les bons réglages et tout ça. Ça on va voir dans les différents réglages par la suite. Là, alarme, vous voyez que c'est désactivé. Ça, c'est pour activer la sirène d'alarme. Là, ici, on a lecture et mémoire. Donc, si je clique sur lecture et mémoire, donc là, j'ai accès aux enregistrements donc de la journée. On a un code couleur. Et là, il nous indique c'est quoi. Donc, orange, c'est détection de mouvement. On va changer la date. Là, vous voyez que c'est bleu. Quand c'est bleu, ça veut dire qu'il y a eu des enregistrements. Ici, détection de mouvement, par exemple la nuit. Donc, vous avez vu qu'il y a quand même, je vous montrais par exemple ici, il y a quand même quelques fausses alertes. Et ça enregistre un peu pour rien. Voilà, il y a des insectes ici. Et ça, c'est quand j'ai testé avec les différents modes de détection qu'on va voir par la suite. Et vous voyez que l'interface au niveau des enregistrements vidéo, maintenant, ça devient classique. Pratiquement toutes les caméras de surveillance chez Zivis, chez Revolink et tout, ils ont ce système d'enregistrement vidéo. Si je veux récupérer les enregistrements, par exemple ici, il y a un individu qui passe, hop, je le filme. J'ai la partie de l'enregistrement, je l'arrête. Voilà. Je peux bien sûr filmer et prendre une photo en même temps. Voilà. Ici on a le micro. Je peux mettre bien sûr en plein écran. Je peux mettre en pause la caméra. Voilà, que ça arrête de diffuser ici. Voilà, on a vite accès aux enregistrements. Ici, détection de personnes, voilà. Bon, maintenant, je vais vous montrer ici la mémoire. Donc, quand on va sur mémoire, c'est les photos et les vidéos que j'ai sauvegardées. Si je veux récupérer la vidéo, il faut que je clique sur télécharger. Et là, ça va être enregistré dans la mémoire du téléphone, dans un dossier qui s'appelle Tapo. Soit je vais dans le dossier sur le téléphone, soit je connecte le téléphone à mon ordinateur et je vais dans le dossier Tapo qui se trouve dans le dossier à côté d'un dossier de l'appareil photo. Vous allez voir qui sera écrit Tapo et là vous avez les enregistrements que vous avez téléchargés. Vous pouvez aussi bien sûr partager les vidéos. Vous pouvez vous les envoyer par email, etc. Les partager sur WhatsApp. Vous pouvez faire ce que vous voulez pour partager. Vous n'êtes pas obligé de faire une connexion sur votre PC pour récupérer les images, bien sûr. Là, vous voyez ici, j'ai le mode auto. C'est pour le mode d'éclairage. On a le mode jour, le mode nuit. Auto, ça va le faire automatiquement entre le mode jour et le mode nuit. Vous avez deux différents modes nuit aussi que vous allez devoir régler dans les paramètres. Vous avez bien sûr l'infrarouge et vous avez aussi le mode nuit, mais en couleur. Là, c'est les lumières LED qui vont s'allumer pour éclairer et on va voir en couleur. Donc, mode jour. Alors, ça change rien. Si là, je peux même. Donc là, c'est les LED. Je peux les activer ou désactiver comme je veux. Ça, c'est bien.
Si je clique sur la roue édentée, donc si je clique ici, je peux renommer la caméra. Icône et placement, c'est ce qu'on a vu lors du paramétrage lors de la connexion. Donc si je veux qu'elle la considérer sur le balcon, etc. Bon, ça c'est à vous de voir. Ça reste gadget, hein, c'est pour avoir un logo d'entrée ici sur l'affichage ici. Ça sert juste à ça, et pour si on a plusieurs, bien sûr, appareils de chez TP-Link, bah c'est on peut différencier les appareils avec ça. On peut créer des pièces et tout dans l'application. C'est comme bah c'est vraiment une application de domotique complète. Le fuseau horaire, j'ai pas dû régler ça. Ça s'est fait automatiquement hein, avec la connexion Wi-Fi, hein, ou si vous connectez en Ethernet, ça le fera aussi automatiquement. Là, si vous avez mis la caméra à l'envers, bon, sur cette caméra. Je pense pas vraiment qu'il y a de l'utilité à la mettre à l'envers, mais ils ont mis quand même l'option inverser l'image. État de la LED, donc c'est pour la LED de notification, bah c'est pour la LED sur la caméra, si on veut l'activer, la désactiver. En général, moi je désactive la LED. La zone de confidentialité, donc la zone de confidentialité. Bah là, c'est la zone de confidentialité intelligente et là, il faut souscrire au cloud. Mais on a une autre zone de confidentialité qui est un petit peu moins fonctionnelle, on va dire, puisque on aura beaucoup de fausses alertes quand même avec cette zone de confidentialité. Paramètres du mode nuit, si je clique dessus, bon, c'est là que je vais régler. Moi, j'étais sur mode infrarouge, mais c'est vrai que j'ai changé pour mes tests. Et mode intelligent, c'est la caméra qui va décider elle-même de mettre en infrarouge ou en mode couleur avec les LED allumés. C'est la caméra qui va gérer elle-même. Moi, je préfère laisser sur infrarouge. Et si j'ai besoin d'allumer, bah, j'éclaire moi-même. Surtout si l'éclairage peut déranger vos voisins ou autres ou des animaux et tout. Je préfère laisser quand même en infrarouge. La luminosité, c'est d'office réglé. J'ai pas fait de réglage, c'est d'office réglé au maximum. Voilà, sinon on peut diminuer. Si vous trouvez que c'est trop fort, on peut diminuer. Bon, déjà au niveau maximum, j'ai pas trouvé que c'était excessivement fort. Ça éclaire bien, mais sans plus. Bien sûr, ça ne vaut pas un spot LED qui va éclairer votre jardin, par exemple. Hein. Faites attention aussi à ça. Alerte et détection. Donc là, on est sur quelque chose d'important. Donc la détection de mouvement, à la moindre chose qui bouge, va recevoir une alerte. Donc je vous conseille de la désactiver. On peut régler sur bas, normal, élevé. On a la zone d'activité. Mais comme vous payez pas le cloud, ben c'est vous pouvez faire tous les réglages que vous voulez. Même si moi j'évite les arbres et tout, j'ai eu beaucoup de fausses alertes. Même si je mets que ici, j'ai reçu quand même pas mal de fausses alertes. La seule solution que j'ai trouvée pour mon endroit ici, c'est désactiver la détection de mouvement et laisser activer que au niveau de l'intelligence entre guillemets artificielle, puisque si vous payez pas le cloud, vous n'allez pas avoir l'intelligence artificielle, vous allez avoir juste une détection de forme humaine. Et là, voilà. Et là, c'est la seule solution que j'ai trouvée, même si on peut en quand même avoir des fausses alertes, mais ça devient beaucoup beaucoup plus rare que si vous laissez la détection de mouvement. Et là, détection de forme humaine, ça c'est bien. Après, on a détection de franchissement de ligne. J'ai testé aussi et on a aussi beaucoup de fausses alertes. Et on peut le mettre par là ou par là. C'est à vous de voir. On peut changer la direction de la ligne. Donc rentrer par là ou par là, ça dépend de la direction d'entrée et que ça peut vous alerter. Donc s'il y a une anomalie. Mais j'ai eu quand même beaucoup de fausses alertes malgré ça. En tout cas, l'endroit où j'ai placé la caméra, avec les feuilles d'arbre et tout ça. Hop, je désactive. Détection d'intrusion de zone. On active. Voilà, et là, on va régler au niveau de l'intrusion. Donc c'est ce qu'on a vu au niveau, donc c'est bien qu'ils l'ont mis séparé au niveau de la détection de mouvement. Voilà, je désactive aussi. Parce que la seule solution que j'ai trouvée, c'est de garder vraiment la détection de personne pour pas avoir de fausses alertes excessives. Falsification de la caméra. Donc ça, j'ai laissé aussi activé. Et là, bah, si on met sa main devant, si avec une bombe de peinture et tout ça,
On dégrade la caméra, ça va le détecter, ça a fonctionné correctement et on reçoit bien une alerte et on reçoit pas de fausses alertes de ça. Donc sur ça, j'ai laissé activer. Donc j'ai laissé activer falsification et la détection de personnes et pour moi ça a bien roulé par la suite. Sinon, je recevais des milliers de notifications. Alarme de la caméra. Donc ça, je l'avais activé ici, que j'ai pas désactivé. Ici, alarme activée. Donc si je désactive ici, ça va désactiver dans le paramètre ici. Donc alerte et détection. Et là, elle est au mode off. Je vais le réactiver, comme ça on va voir. Là, on a le type d'alarme. On a son et lumière. Donc où on peut activer que le son, on peut activer aussi que les lumières. Donc ça, c'est à voir le type. Si vous voulez plus silencieux, on va activer les lumières et le son. Voilà. Mais sinon, comme je vous ai dit, le haut-parleur n'est pas très très fort. Donc c'est bien que ce soit là, mais je suis un peu mitigé aussi au niveau de la sirène qui, voilà. Et on a le choix entre deux sirènes différentes. On peut décider aussi quand ça va sonner, hein, si ça détecte une personne, hein, soit toute la journée, ou on peut personnaliser la durée. Donc vous pouvez choisir, par exemple, si vous partez en week-end, juste le samedi et dimanche, ou le vendredi, samedi, dimanche, ou autre, vous faites un horaire aussi, si vous voulez que ça se déclenche la journée et pas le soir, et c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc ça c'est bien au niveau des alertes de détection, on a vraiment le choix, ils ont bien innové là-dessus. Certaines caméras, il y a un manque, mais ils ont innové là-dessus, mais je reste aussi mitigé parce que le fonctionnement, si on n'utilise pas le cloud, ça reste bien, mais que ce soit là. Mais pour moi, malheureusement, à l'endroit où je l'ai posé, il y a trop de fausses alertes. La carte micro SD. Une fois que vous allez insérer la carte micro SD, donc vous allez devoir la formater pour la rendre compatible avec la caméra, même si elle est toute neuve, vous la formatez. Quand la carte mémoire est remplie, hein, la carte micro SD est remplie, ça va faire ainsi que ça va effacer les anciennes vidéos et ça va remettre les nouvelles. Bien sûr, plus vous mettez la définition haute, comme moi ici j'ai mis en 1440p. Plus vous mettez en résolution haute, plus la carte mémoire va se remplir plus vite. Calendrier d'enregistrement. C'est là qu'on va programmer les enregistrements et décider si ça enregistre en continu ou avec détection de mouvement. Il suffit d'aller sur éditer et là vous choisissez. Vous avez vu que les jours sont en anglais. Donc ça, c'est à vous de voir. Donc quand c'est blanc, c'est pour ça désactive les enregistrements. Quand c'est bleu, c'est enregistrement continu. Et quand c'est en orange, c'est enregistrement quand il y a une détection de mouvement. Voilà, ça c'est à vous de voir, de faire les réglages qu'il vous faut pour les enregistrements. Ensuite, on a la qualité de la vidéo. La caméra peut filmer en 1440p, en 1080p ou en 720p. On a les réglages avancés. Dans réglages avancés, on a le compte de la caméra. Donc ça, c'est pour créer un compte pour la connexion de la caméra via des portails tierces. Donc ça, c'est à vous de voir si vous utilisez des portails tierces ou autres. Enregistrement audio. Donc ça, c'est pour
activer les enregistrements de la caméra, donc si pour activer ou désactiver le micro. Paramètres d'affichage de l'écran, donc ça c'est pour faire une surimpression au niveau des vidéos, je vais vous montrer. Donc afficher l'horodatage, donc ça c'est pour afficher le jour, mois, année. Si je veux afficher le logo TP-Link ou afficher du texte, je peux afficher du texte et je peux même afficher ce que je veux. Si je veux afficher Dingo. Voilà, je sauvegarde. Et sur la caméra, je vais vous montrer en image. Donc on le voit très difficilement. C'est vraiment très très discret. Mais là, il est écrit, je sais même pas si vous le voyez, là, il est écrit Dingo. Et c'est vraiment mal placé à ce niveau-là. Bon, c'est la surimpression, donc on peut avoir affiché. Donc je vais peut-être vous montrer avec le logo. Avec le logo TP-Link. Voilà, je désactive ça et je vais afficher le logo. Voilà, bon, là on a écrit Tapo. Vous voyez, c'est vraiment très très discret. On a le mode confidentiel. Donc ça, le mode confidentiel, c'est on désactive la caméra tout simplement. Voilà, c'est le mode confidentiel qui se retrouvait ici, en raccourci. Ensuite, on a la fréquence CPL. Ça, c'est pour régler l'image en 50 Hz ou 60 Hz. Moi, c'est mis en automatique, donc je laisse la caméra gérer. Voilà, ils nous disent bien, votre appareil photo doit correspondre à votre région. Si vous remarquez un scintillement dans votre vidéo, essayez de changer les fréquences. Si vous n'êtes pas sûr, auto est recommandé. Diagnostic, donc si la caméra elle a un petit souci ou autre, la caméra peut faire un diagnostic. Donc activez cette fonction uniquement en cas de problème avec votre caméra et enregistrez les journaux utiles au dépannage. Pour utiliser cette fonction, une carte micro SD est nécessaire. Il est recommandé de désactiver cette fonction lorsque les problèmes sont résolus. Donc là, ça va enregistrer l'activité de la caméra et vous allez pouvoir les transmettre à TP-Link pour qu'il puisse résoudre votre problème, pour voir si ça vient, d'où vient le problème au niveau de la caméra. Je peux redémarrer la caméra ou je peux supprimer la caméra. Passons à ma conclusion. Parlons déjà du prix. Cette caméra est proposée à 60 € en promo et 70 € 70 € hors promo. Pour ce prix, on a une caméra d'assez bonne finition avec un look sympa, une caméra qui peut convenir pour l'intérieur, mais elle est surtout faite pour l'extérieur. C'est une caméra étanche qui a la norme IP66. Elle est protégée contre les poussières et les forts jets d'eau. Elle a la vision de nuit en couleur avec ses deux LED de couleur blanc chaud qui peuvent être activées à la demande. Le haut-parleur est d'assez bonne qualité, ça manque juste un peu de puissance qui sera nécessaire surtout si on a un quartier bruyant, une rue fréquentée. On le constate aussi car la sirène d'alarme de la caméra reste assez faible. Le micro aussi est de bonne qualité et capte bien les bruits et la voix. Parlons de la connexion. J'ai trouvé la manière de connecter la caméra à son réseau un peu archaïque. C'est une connexion à l'ancienne. On doit d'abord connecter son téléphone au réseau Wi-Fi de la caméra et ensuite connecter la caméra au réseau. On doit le faire manuellement alors que sur les nouvelles caméras, normalement, ça se fait automatiquement. On peut insérer une carte micro SD de maximum 256 Go, mais attention, minimum 8 Go. Si vous avez une carte de 4 Go, ça ne passera pas. Il vous faut aussi une carte micro SD de bonne qualité, sinon la caméra, va la refuser. Je n'ai pas constaté de problème de connexion Wi-Fi de la caméra. Les doubles antennes font très bien le travail. Parlons maintenant un peu du cloud. Le cloud, le prix pour le basique est de 3,99, 3,99 € par mois pour une seule caméra. Sinon, on a un plan premium qui est à 11,99 €, donc 11,99 € par mois. Et là, on peut connecter jusqu'à 10 caméras. Le cloud, c'est une bonne alternative si on n'a plus accès à la caméra. Ça peut arriver très régulièrement si on casse, on nous vole la caméra et on n'a plus accès à la carte micro SD. Ça évite aussi que la carte micro SD est défectueuse
Une carte micro SD s'use quand même assez rapidement dans les caméras de sécurité, surtout si ça enregistre en 24 heures sur 24. Après, on peut faire son propre stockage personnel, ça c'est à vous de voir. Au niveau du Wi-Fi, ben, je n'ai pas constaté de problème de connexion Wi-Fi de la caméra. Les doubles antennes font très bien le travail, c'est parfait si la caméra est éloignée de votre box Wi-Fi. Pour info, moi, la caméra était éloignée d'un peu plus de 10 mètres de la box Wi-Fi avec un mur et une baie vitrée qui peuvent parasiter, bien sûr, le Wi-Fi. Mais comme je vous l'ai dit, je n'ai eu aucun souci à ce niveau-là. La caméra n'a que le Wi-Fi 2,4 GHz. Elle n'a pas de Wi-Fi 5 GHz. Ce n'est pas ce qui est normal, hein, ce qui est normal pour une caméra extérieure. Pour info, le Wi-Fi 5 a deux fois moins de portée, hein, deux fois moins de distance que le Wi-Fi 2,4 GHz. Mais le Wi-Fi 5 GHz a l'avantage d'être deux fois plus rapide que le Wi-Fi 2,4 GHz. Le mieux, bien sûr, comme la caméra a un port Ethernet, c'est de brancher la caméra en filaire, ce qui évite des latences de connexion. La caméra aussi, faites attention, c'est pas parce qu'elle a un port Ethernet qu'elle est compatible PoE. PoE, ça sert à alimenter la caméra via le port Ethernet, ce qui nous évite de la brancher sur secteur puisque tout est alimenté par le port Ethernet. Mais cette caméra n'a pas le système PoE, donc on peut pas alimenter la caméra par le port Ethernet. Bonne nouvelle quand même, la caméra est en vif, ce qui permet d'utiliser un NAS, un système NVR ou DVR, se connecter à la caméra via un logiciel tierce comme O Assistant ou Domotix qui centralise sa domotique. Mais pour l'instant, TP-Link n'a pas de logiciel pour PC pour ses caméras. J'ai trouvé les enregistrements de la caméra sur l'application avec un code couleur selon le type de détection et quand même très agréable et détaillé. Le transfert se fait assez rapidement, si on veut sauvegarder les vidéos et tout ça, le transfert se fait assez rapidement. Le codage vidéo malheureusement est seulement qu'en H264, c'est dommage. J'aurais préféré bien sûr le H265, ça aurait été préférable hein, pour avoir une meilleure qualité d'image et un transfert vidéo encore plus rapide. C'est dommage car elle a quand même une lentille de 4 mégapixels et avoir mis un codage vidéo en H264, je trouve ça dommage. La caméra, elle a une sirène d'alarme intégrée avec flash ou sans flash, hein, avec les flash LED. Mais la sirène est vraiment trop faible. Ça reste quand même gadget. Personne n'entendra cette sirène. Elle fait pas beaucoup d'effet. Bien sûr, en pleine nuit, peut-être, ça peut effrayer un tout petit peu. Parlons maintenant de la qualité d'image. La qualité d'image est satisfaisante, mais je m'attendais quand même à beaucoup mieux, car je trouve qu'elle ne fait pas mieux que les caméras dotées seulement d'une lentille de 2 mégapixels et qui filment aussi en 1080p. Malheureusement aussi, la caméra filme seulement qu'en 15 fps, donc 15 images par seconde. Je trouve ça normal sur des caméras qui sont sous batterie, donc qui sont pas alimentées sur secteur, mais une caméra sous secteur qui filme seulement qu'en 15 fps, je trouve pas ça trop normal pour ce type de caméra. On remarque une image qui n'est pas fluide, qui est saccadée, une image quand même saturée en couleur. Au niveau de la nuit, donc au niveau de l'éclairage de nuit, donc si on n'allume pas l'éclairage, on ne fait rien, quand il fait sombre déjà, c'est étonnant, mais l'image est étonnamment claire, même s'il fait pratiquement nuit dehors, hein, je vais vous montrer des images. Voici ce que je vois moi, quand je vois dehors, si je prends avec mes propres yeux, je vois il fait complètement, pratiquement noir, c'est la tombée de la nuit. Et quand je regarde au niveau de la caméra, on dirait qu'il fait pratiquement jour. Et ça, c'est sans éclairage LED. Pour les infrarouges se débrouillent bien et les LED éclairent assez bien également. En résumé, la caméra de chez TP-Link, le modèle Tapo C320WS, est une bonne caméra de surveillance, mais qui souffre quand même d'un problème de qualité d'image. Même si l'image reste jolie, une mise à jour pour régler ce problème ce ne serait pas de trop. Et le manque de FPS, 15 images par seconde, me donne quand même un avis mitigé. Heureusement que l'interface de son application, l'accès facile aux enregistrements, ainsi que le protocole ONVIF
qui la rend compatible avec les NAS et les boîtiers NVR. Ça nous donne quelques possibilités supplémentaires et ça nous évite de payer leur cloud, même si celui-ci nous assure une sécurité et des fonctions supplémentaires. La caméra nous envoie également très très rapidement une notification en cas d'alerte. Si vous avez encore des questions, n'hésitez surtout pas, la chaîne et le blog ont été créés pour aider, vous allez trouver tous les liens dans la description. Comme d'habitude, je remercie les anciens d'avoir regardé et merci d'avance aux nouveaux pour vous être abonnés. Je vous dis à la semaine prochaine, c'était Dingo Darwin. I will show you just one's enough. A bread is flowing now, but no, go hard, but no, let's pop, but no. What am I doing wrong? I feel your clutch pulling me through.